15 février, 20 février, une semaine après la cicatrisation, quelques taches de pigmentation apparaissent. Plus tard, la palpation révèle de petits nodules sous-cutanés. Le 12e jour, la nécrose du greffon hétéroplastique est patente. 20e jour, les premières ulcérations se produisent accompagnées d'un décollement du derme et de signes d'infection. Le greffon nécrosé doit être retiré.